Bonjour, je suis Bénédicte Guérin et je suis chasseuse chez Je rêve d'une maison depuis maintenant 7 mois. Je recherche des maisons, des appartements pour des personnes qui n'ont pas le temps de chercher, qui ne savent pas faire, qui sont loin, qui ne sont pas du tout des professionnels de l'immobilier et qui nous demandent de l'aide. On est vraiment leurs yeux et moi je suis sur une zone assez particulière, je suis dans le 92. Et spécifiquement sur Asnières, Bois-Colombes, en allant jusque Saint-Cloud et en passant par Clichy, Bois-Colombes, Courbevoie. Déjà, chercher une maison, un appartement pour quelqu'un, c'est à la fois très excitant parce que j'adore visiter. C'est un petit peu stressant aussi, mais c'est amusant. Et puis, ce qui est très sympa, c'est de se dire que vraiment, on se met à leur place et qu'on leur apporte, outre le fait qu'on cherche quelque chose dans l'immobilier, on leur apporte une expertise supplémentaire. Moi, par exemple, dans ma zone, que je connais hyper bien parce qu'évidemment, j'y habite depuis 20 ans, je leur apporte tous les conseils au niveau commerce, au niveau ambiance, au niveau resto. Et je pense que c'est une expertise qu'ils aiment beaucoup en plus de la recherche de leurs biens. Je rêve d'une maison, pour moi, c'est une véritable reconversion professionnelle. Mais pas que, parce que j'ai toujours adoré bon, visiter. J'ai travaillé dans la décoration ces 10 dernières années, dans les services clients. Donc là, ça me permettait d'utiliser en fait tout ce que j'avais déjà fait. Et j'adore, voilà, j'adore aller visiter, mais surtout chercher, trouver la pépite pour mes clients et les emmener sur des endroits où ils n'auraient pas forcément été. C'est un vrai conseil en plus et une véritable passion. J'ai tout de suite adoré l'idée d'être indépendante chez Je rêve d'une maison. Pour plusieurs raisons. D'abord pour gérer mon temps comme je le souhaitais et pouvoir éventuellement faire d'autres choses, notamment au niveau décoration que j'avais commencé. Parce que je trouve ça extra de pouvoir travailler de la maison et puis de pouvoir faire aussi des petits passages au bureau parce qu'on a une véritable équipe, même en tant qu'indépendant. Ça c'est vraiment bien. Et puis l'immobilier, on travaille malgré tout parfois le soir, parfois le samedi. Donc le fait d'être indépendant, mais ça me laisse ma liberté pour organiser d'autres choses en même temps.